Ici, on a des personnages de moments profanes qui sont plutôt des personnages mondains, un petit peu enfin, prétentieux, des petits bouches passées. Et il apparaît par endroits des personnages du monde sacré qui sont nus, qui représentent un peu des femmes enceintes, c'est-à-dire la vie, avec des racines. Les nourritures mais genre en ce moment je fais que de la peinture que ces personnages du monde profane parce que je les trouve très très intéressants. Ils ne sont pas toujours méchants et prétentieux parce que je fais aussi des séries de femmes et d'enfants qui sont pleines de tendresse et d'amour. J'aime bien travailler la peau, la chair avec ces teintes pâles, ces pommettes un peu roses. Mais bon, je donne beaucoup d'importance aux vêtements quand même, hein, et qui met en valeur l'incarnation des personnages. C'est amusant parce que même si les bouches ont très très peu de présence et pas beaucoup de forme, les personnages ont quand même des attitudes et on voit vraiment ce qu'ils pensent et ce qu'ils veulent montrer sans la présence de la bouche. Et là, c'est un travail sur une période de Molière et les masques. Et donc, il y a une série un petit peu comme ça. Et c'est vrai que la couleur a beaucoup d'importance. La couleur a de l'importance dans tous les tableaux. J'aime beaucoup la lumière sur les épaules. C'est des séries que je fais en ce moment sur les gâteaux. Il y a beaucoup, beaucoup de gâteaux. Ils sont tous en train de manger. Alors on retrouve les mains qui sont assez... Et puis les gâteaux sont très drôles. Il y a beaucoup de couleurs. Et puis des airs un peu compulsants. On retrouve leurs petites... attitudes. Alors ils sont assez intemporels, je pense, parce qu'ils ne sont pas du Moyen-Âge, ils ne sont pas futuristes, ils sont singuliers. Je crois que j'ai une peinture singulière.